Soak up the damage. Mythics provide your champ a new level of customization, meaning your item build has more impact on every game. The same goes for any class. Mid lane mages looking for some extra setup power, assassins picking off enemies one by one, or bruisers who like to bully lane and get away with it. With new high-powered items and a fully streamlined shop, this preseason brings everything you need to level up your game. Learn more about all Mythic Forge updates at the links below. Et salut! Salut les geeks! Ah là là! Comme un bon mardi 8 décembre, Ikai, on est habillé en Père Noël et aujourd'hui, on va jouer Harry. Harry. Vous connaissez tous un peu ce champion. Harry, le mage du mid. Donc forcément, on va essayer de la jouer au mid. Ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas joué. Hein. Mais bon, c'est un perso qui peut être très safe. Qui peut être très agressif. Qui peut un peu tout faire. Qui a une... le bisou, quoi. Le côté utilitaire, le CC, la mobilité de l'ulti. Enfin, il y a de quoi faire. Alors, je vais vous montrer les runes que j'ai faites. En domination, forcément. Pour l'électrocution. Électrocution, quand on a besoin d'un burst. Un gros burst d'un coup. Bam, bam, bam. Parce que la moisson noire aura pu être faite. Tout ce qui est comète, faut oublier. Électrocution, c'est vraiment la maîtrise qui va faire proc le plus de dégâts. Rogue offensive, qui va fonctionner avec l'ulti. Bon, bien sûr, c'est que jusqu'à l'ulti. Qui va gagner de la pénée magique. Plutôt cool. Trois fois en plus hein, avec l'ulti. Donc c'est plutôt bien. Arracheur d'œil, parce que on veut toujours collecter plus d'AP. Chasseur ultime, bah oui, du coup, on veut plus souvent notre ultime. Combiné avec de la sorcellerie pour le ruban de mana, pour avoir de la mana max. Toujours la transcendance sur les mages, permet de gagner toujours du mage, de la paix. De la puissance, du cooldown, pardon. C'est le cooldown maintenant, c'est vrai que c'est le cooldown. Accélération de compétence. Le cooldown, c'est super important pour un mage. Donc forcément, on va prendre... de la force adaptative, donc il va être de la paix, résistance magique selon contre qui on est. Donc on est parti. On va mettre mid et un poste. Le truc c'est que Harry ne se joue vraiment que au mid. Donc on va essayer de se mettre mid et jungle pour espérer ne pas avoir la jungle. Hein, c'est la technique. Donc toujours la stratégie, si vous jouez tout seul... bon bah vous jouez tout seul. Si vous voulez jouer si vous voulez jouer en duo, l'idéal c'est que votre pote il soit soit jungle soit support. Pourquoi support? Parce que le support ne reste pas statique sur sa lane. Enfin dans l'idéal. Surtout quand t'es support et que ton ADC tu ne le connais pas, c'est plutôt cool de pouvoir roam et de se dire bon ok il gère ou il gère pas, ça arrive. Je pense que vous allez me dire souvent il gère pas. Donc du coup, allez mettre bien tes potes, c'est toujours le bonus. Bah si vous êtes en duo, vous êtes en vocal, donc vous avez déjà cet avantage là. Tiens, ma liste d'amis qui s'ouvre. Je voulais la fermer pour voir. Elle s'ouvre. Bon bien, en attendant que ça charge, on va retourner voir le champion. Vous avez vu, je l'ai pas beaucoup joué, hein. Je suis que level 3. Les maîtrises. Le E, charme, permettant de tuer un champion dans les 5 secondes. Bah oui, parce que normalement il y a tellement de burst qu'on essaye de tuer très vite une cible. Champion ennemi ayant subi à la fois des dégâts magiques et des dégâts bruts d'orbe A. Ok. Bah ouais, parce que le A, les dégâts bruts sont que sur le retour. Donc il faut lancer et bien le faire revenir. L'ulti permet. Ah, je suis pas mis. Ah, cette vidéo sera sûrement coupée. ok. Eh ben, on va jouer à Mumu. On va jouer à Mumu en attendant. Banner un champion. J'ai envie de bannir mort de Kaiser. Samira aussi. Plein de champions très forts. Bon bah shit, on n'a pas, Harry. Il prend Harry.
Bon alors parlons d'Amumu. Amumu conquérant. Bah ouais, parce que plus tu tapes, plus tu vas gagner de l'AP. Donc c'est plutôt cool. T'as envie de garder un peu, de stacker un peu d'AP, même en étant full tank. Hein. Vous récupérez des PV équivalents à 9% des dégâts que vous infligez. Donc plutôt cool, hein, une fois quoi, vu qu'on va monter très vite. Amumu pleure, Amumu tape, Amumu donne des coups de boule, bandelette et tout. Ça monte très très vite. Et en plus on régène, donc c'est plutôt cool. C'est pour ça que d'ailleurs en rouge, là, vous avez vu, il n'y a que le chasseur vorace qui va donner du vol de vie. Sinon c'est Koopa, un peu plus de CC, bah avec la bandelette et le R, c'est plutôt cool. Triomphe, toujours pour régène et un petit peu plus de gold, c'est pas négligeable quand on est en jungle. La ténacité. Je vous cache pas que la ténacité, vu qu'il y a très peu d'items qui donnent de la ténacité, et qu'elle est décapée maintenant, donc c'est-à-dire avant il y avait un maximum de cap en ténacité, maintenant on ne l'a plus. Donc c'est plutôt cool d'en avoir toujours un petit peu plus que les autres. Plus de dégâts quand on a moins de PV, ça veut dire que quand j'ai plus de PV, je fais plus de dégâts, donc je régène. On va chercher un peu de vitesse d'attaque, et ouais c'est étrange, hein, parce qu'en fait en jungle on veut taper un peu vite les monstres quand même. De la paix et de l'armure forcément. Et let's go. Alors en plus j'ai plein de skills amumu, j'ai amumu fête, pharaon, Vancouver. Oh j'ai roi du bal. Oh ça fait super longtemps. On va jouer roi du bal. Oh bon, me plaît bien. Avec une petite bandelette amu. Donc on a une team. J'aime pas notre team. Hein. On n'a pas d'ADC. Ok. La game, c'est un peu chelou là. Je dois vous avouer que là, je sais pas quoi dire. Très bien. Alors. Donc, pourquoi pas. Petit souci dans le stream. Ça me sert à rien. Désolé les gars. Caméra. On va bouger un petit peu la caméra. On va se mettre là. Je pense que je peux me mettre un peu plus petit. Vous n'avez pas besoin de trop me voir. Voilà, on va se mettre là. Voilà, je suis tout petit. Let's go. Donc. Attendez. Ah non, je sais. Je sais pourquoi. J'ai inversé. Alors moi, je prends des potions. J'aime bien les potions au début. Les potions de soins plutôt que des potions. Potions rechargeables. Bon. Parce que déjà, ça va régénérer un petit peu plus. Oh, cette coupe de cheveux à Amumu! Comme il est beau à Amumu avec sa petite banderole. C'est quoi son bac? Il s'assoit et pleure. Bah oui, c'est Amumu. Personnage très très vieux. Un des personnages les plus vieux quand même. Hein. Donc sur Amumu, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir sur. Bah déjà, on prend le Z. Pleurer. Ce qui est cool avec Amumu, c'est qu'en vrai, je suis sûr on peut faire les loups en direct. Mais bon, c'est mieux d'avoir le bleu. On a le bot qui va nous aider. Ok. Que je regarde. Ok. J'ai Urgot, Lux et Yumi qui jouent ensemble. Donc là c'est parti. On tape. Bravo. Et là le but c'est quoi? J'ai une Yumi qui ne fait rien. Très bien. Merci sérieux quand même. Merci Yumi. Vous voyez, il y a des petits dégâts brutes là un peu quand même. Ça c'est cool. On leur dit merci. C'est important d'être un mec cool. Allez hop, prends-le. Alors le, il a un double utilité hein, quand même, pour ceux qui ne le savent pas. En gros, tu peux l'activer, il va faire des dégâts. Quand tu te fais taper, le cooldown revient plus vite. Mais en plus de ça, il va te booster, voilà, subit des dégâts physiques réduits de 4 en fonction de l'armure et de la résistance magique. C'est plutôt cool. Hop, on régène un petit coup, même si en vrai, bon. On va faire un full clear. Pourquoi? Bah parce que Amumu, il
il est safe, il est tank. On peut se permettre forcément de tout prendre. Alors là où il faut bien voir en jungle, c'est quoi? C'est le smite. Le smite. On peut pas smite deux fois, hein, bien sûr. Oh. Là il y a une domination, et là on se fait dominer, ok. Alors la bandelette permet de passer à travers les murs, ça aussi c'est cool. Alors, c'est le petit truc à faire. Et viens mon petit rouge. Moi je l'emmène toujours là. Bah ouais, on sait jamais. Peut-être que il y a un l'ennemi qui va venir me invade. Et là il faut le rouge fait le smite. Parce que regardez, j'arrive déjà niveau 2. Et du coup bah je perds du temps en fait. Du coup on va éviter de perdre du temps. Allez, on va tout faire. Hop. Là je vois aussi sur ma minimap. Parce que vous voyez pas ce que je regarde. Moi je regarde ma minimap. Ah, il était en train de dominer. C'est dommage, il a pris la confiance. Voilà. Oh, j'ai même une Harry là. Harry level 4. Allez, c'est parti, let's go. Sérieuse là. Allez. Ah, le bisou. Dommage. Ah, ils sont tous les deux très low. Ok, je vais là, Lux. Hein. Lux, ne tente pas le diable. Ouais, voilà. Ça a claqué des flashs pour rien, c'est dommage. Alors, on va faire ça. Alors là, faut que je garde mon smite. Pourquoi? Parce que si il arrive, le écho, il faut que le smite pour le prendre. On va aller voir si... Ok, il est pas là. Donc on se casse, on va essayer d'aller zoner l'autre carapateur. Le spell à monter, le E, parce que vous avez vu, le passif du E permet de max régène. Harry, elle a flash un petit peu. Harry, elle est un peu sous tour. Ouais, ok, c'est mort. Pardon, pas de temps. Le truc très important en jungle. Ah, attention là, écho. Donc moi, je vais mettre ma ward ici, parce que s'il vient, il va forcément gank le mid, mais il va surtout essayer de venir prendre le carapateur aussi. Le carapateur, c'est quand même celui qui donne le plus d'XP. Donc faut essayer de le faire le plus vite possible. 150, ok. Du coup, je suis au bot. Du coup, je leur dis, j'arrive. Ah, dommage ça. Ok. Je sais que vous allez esquiver. Voilà. Anticipation. Et bien, smite. Ah non. Il est tellement low. Bon, là par contre c'est très dangereux d'aller par là, parce que il y a peut-être écho. Qu'est-ce qu'elle fait elle? Ok, elle a juste mis noir. Alors le truc cool avec Amumu en plus, c'est que sa bandelette, qui a une super bonne portée quand même, elle permet en fait de passer à travers les murs. Donc bon, on verra si ça va m'arriver. Mais si en gros je me fais gank, je veux me barrer, hop, plutôt que de flash, c'est plutôt assez cool. Là j'ai bientôt pu... Ah, si, j'ai récupéré de la mana. Grâce à la jungle. Franchement, je suis assez bien, le Echo mid veille pas, je peux me permettre. Ok, la Lux elle a tué la Harry, ça c'est cool. Mon smite qui arrive aussi. Donc c'est bien, toujours avoir les yeux sur le timer. Hein. Parce que du coup, hop, je smite, donc j'ai récupéré de la vie. Et donc, j'ai mon level 5. Donc, je max encore mon, encore plus de résistance. Et je vais faire les corbins. Et du coup, je XP. En fait, je farm à mort. Hein. C'est très très important de ne rien faire. En plus, les corbins, comme une tape douce, ça me fait revenir très vite mon E. Mon buff bleu revient dans 25 secondes. Il faut calculer en moyenne 20-30 secondes. C'est bien pour se dire, je fais un back. Je fais un bac et je reviens. Alors là, on va faire quoi? Hop. On reprend deux potions quand même, histoire de dire que... J'ai mes centres de mamie. Le début, pour faire des dégâts de brûlure. C'est plutôt cool. J'ai repris des potions, parce que c'est cool et que j'ai envie de faire le Drake. Donc j'ai même pris une pique. Les gars, fightez pas. En plus, contre un Lucian Lulu, c'est dur. Hein. Ok, la Lux, ça se met bien. Ok, faut qu'elle fasse gaffe, qu'elle se fasse pas gank par le écho. Je leur dis, bon par contre au bot c'est un peu la galère pour eux, j'ai l'impression. Okay. Ce qui m'embête c'est la Lux qui back, bon c'est pas grave.
On va sur le carapateur tranquillement. On se met la pique. Il n'y a rien. On prend la petite plante pour se dire. On se met bien. Et on fait le break. C'est parti. Maintenant, faut juste espérer qu'il n'y ait personne qui vienne. Let's push. Bah non. Ouais. Bon. C'est chaud, hein. Vous avez vu, c'est chaud. Hein. Et encore, je suis sous potion. Alors après, j'ai le smite. Du coup, je vais un peu régène. Mais si le écho ne vient pas, je suis très très bien. Je vais prendre la deuxième potion. 510 mon smite, hein. Vous avez vu, c'est marqué là. Hop, le smite. Je suis mid life, je suis bien. J'ai mon R, je viens bot. Comment ça, back? Vas-y, mais tuez-les. Oh, vous êtes sérieux là? Bon. Non, mais c'est bon, il va plus. Là, si la Lulu revient. Hop là! J'ai oublié de pleurer, j'ai oublié de pleurer. Qu'est-ce qu'il fait, Vlad? Mais Vlad! Ok. Donc là, comme on peut le voir. Allez, aide-moi à push quand même. Mais... Non, on préfère venir en moi. Ok. Ok, on a pas les meilleurs joueurs du monde. Non mais plaquette c'est trop risqué quoi. On n'a pas assez de farm. Je vais essayer d'aller mid. On a de quoi faire là. On va essayer d'aller mid. Ok, Larry elle a R en plus. Allez, on se met à pleurer direct. Ok. Ok. La Lux elle est bien. Elle est très très bien dans sa game. Je me suis fait voler mon rouge. Ah non, je l'avais raté. Ah oui, comme il est plus au fond. Bon. Ça c'est le truc à pas faire. Hein. Attention, je vous vois venir. Ah le Yasuo, ouais. Allez. Ah, vous avez vu juste à pleurer là. Ok. Je vais passer par là. Mais il vient pas en fait, d'accord, d'accord. Non mais j'ai compris. Hop, non. Mais le mec, mais t'es sérieux? Il fait rien. Tu n'es plus l'esclave de l'ordre. Bon, ok. Pas grave, alors là ils ont quoi? AD, AP, AP, 3 AP, 2 AD. Sachant que c'est les AD qui vont être un peu chiants. Mais il y a du CC. On va prendre sandales de mercure quand même. Et il faut vite qu'on aille sur l'égide de la Légion. Bon, là, je viens de voir que mon Urgot, je viens l'aider, il s'en bat les couilles. Ah bah voilà, donc, du coup, ouais, ouais, il crève comme une merde en plus. Il n'y a même pas le kill. Ouais. Ah, je vois. Oula, oula, pourquoi je vois ma lutte là qui s'enfuit? Ouais, le Echo il est level 6. Ah, elle a pas les cooldowns, je pense. Pas grave, on va y aller hein. Ok, donc, lui aussi il a fait un truc bizarre. Franchement trop bizarre. Oh, venez là. Allez. Je t'aurai. Eh oui. Eh oui. Ah ouais, on va chercher plutôt l'ADC quoi. Un Lulu. C'est plutôt quand même mieux de tuer l'ADC. Hein. Vous imaginez, il s'en serait sorti. Là, j'ai Yumi qui reste sur moi par exemple. Ah voilà, ça y est. Elle m'a entendu. Là, on se casse. Alors là, qu'est-ce qu'on max après le E? Eh bien, à votre avis. Tic 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 tic. Eh bien, le A en fait. Eh ouais, parce que le Z en fait, il sert juste à finalement à avoir les tics. Mais le A,
quand on regarde là, en appuyant sur shift, vous pouvez voir. Délai de récupération, passe de 10 secondes à 8 secondes. Tout cool, hein. Et puis en plus, ça augmente toujours un peu nos dégâts. Alors que le Z, finalement, bon bah, dégâts de base, ok, ils vont être augmentés. Mais clairement, quoi. On n'est pas là pour ça. Pourquoi ils veulent de l'aide? Enfin, je veux bien venir, mais parce que là j'ai presque la portée, hein. Vous avez vu? Ah non! Ça s'est arrêté avant. De toute façon, j'ai pas mon R, les gars. Hein. On va juste leur mettre la pression et en fait, on va là, quoi. Ah, notre Luke s'est fait tuer. Ouais, vous avez vu le Urgot là, il est tellement mal. C'était sûr, c'était tellement sûr. Donc là, il faut plutôt essayer de se mettre bien ailleurs. Ah, le Echo qui vient, il se dit tiens, je vais essayer avec le Drake. Allez, 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 hop là. Oh, je l'ai pas eu. Ah, et ouais. J'avoue qu'il y a Vlad à DC. Franchement, là. Bah voilà, il fait rien, quoi. Il fait un spell et puis il finit. Heureusement que la Lux est... Oh non. Oh, quel dommage. Ah, j'ai hâte d'avoir à jouer Lux pour vous montrer Lux aussi. Hein. Oh là là. Donc, allez. On économise un petit peu. On prend ça. Pourquoi je peux pas prendre les déwarders? Il est où? Oui, si, mais en fait je bug, mais si. Urgot level 9. Il se fait out farm. Oui, j'avoue qu'il part sur un item bizarre. Donc ça sert à rien. Clairement, vous voyez un mec comme ça qui fait nimp, ça sert à rien. Vous le laissez mourir, tant pis. Tant pis, il faut aller mettre bien les autres et vous mettre bien vous. Là, l'autre Lux, elle est en 80. Je vais rester un peu plus collé à la Lux. Alors, en vrai, le pistolet X-Tech, il peut être cool aussi. Hein. Hello! Allez, ouais. Allez, allez. Voilà. Ah. Elle a pas eu l'assist, Lux, c'est dommage. Bon, ça m'a coûté un flash, mais. Au moins, on a le kill. 2-2-2-2. On va aller déwarder l'Hérald. Ok, c'est bon. Notre Yasuo, enfin notre Urgot, fait des moves un peu chelous. Donc là c'est cool, il y a juste à attendre. Ah, il y a Echo là. Par contre le Yasuo, il vient sur moi. Là ça va pas le faire. Je pense qu'il va venir et il y a moyen qu'il le vole. Ouais. Ouais, je suis à deux doigts. Mais non. Pourquoi la flash? J'ai pas assez de mana. Ouais. Lui, il a fait des moves bizarres. Bon, le Yasuo est pas bon. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Mais bon, ça veut dire aussi que le Urgot est encore pire. Alors. Alors là qu'on a fini l'item jungle, qu'est-ce qu'on pourrait se faire? Alors l'item que les gens aiment bien faire et qui et faut se dire qu'il est cool, hein, c'est ça, l'étreinte démoniaque. Quand t'es un peu bien dans ta game, il est plutôt cool à faire. Oh, j'avoue le bot là. Mais bon, un Vlad, bah ouais, du coup il a pas le farm, quoi. 85 contre 119. On leur dit, il y a Yasuo, il s'est montré, en plus il y a lui. Allez, allez Urgot, fais un truc.
Si Harry s'avance un petit peu là, vous avez vu, j'ai presque la portée. Hein. Ok, parti. Et Harry là. Ouais, c'est fait défoncer la luxe maintenant. Non mais les gars, là, on peut plus rien faire là. Où va-t-on ? Alors. Le robot, il a même pas pris la tour. TP. On va aller prendre la tour avec Yurgot. Allez, tac. Comme ça, on prend l'assist. Allez, Yurgot, viens, viens, viens. Viens, viens, mais viens. Mais putain. Alors là, vous allez voir. Hop là, me casse. Vous avez vu? C'est plutôt cool. Hein. Bon, du coup. On va aller jouer avec Lux. Hein. Un allié a été tué. On le met là. On va là. Oh là là. L'autre bot lane quoi. Allez Lux, ils sont immobilisés. Mais Lux qui tape le Drake quoi. Please. Et lui là. Et lui il fin. Ok. C'est un génie. Bon. Donc les trains démoniaques. Pourquoi les trains démoniaques? On fait brûle, on fait perdre des PV max. Alors dégâts magiques pendant 5 secondes. Vous gagnez de l'armure à résistance magique. Sachant que ça se cumule avec le Z puis le E. C'est à faire. If I gank mid, you help Urgot. Ok, il veut pas. Hello. Sérieux? Allez, vous l'avez là? Ah ouais. Waouh! Yurgot a fait des trucs! Hop, flash! Non! Les sbires! Je regardais exprès de pas les avoir. Ok, la flash aussi. Ok, on déward. Là, je fais genre je me casse. Et en fait. Ok, j'ai pas la portée. Ah, ils veulent pas. Ah, elle s'est pris un bisou du pif. Allez les gars, mais venez. Regardez là. Allez, venez jouer avec moi. Oh non, j'ai eu QL. Alors là, j'aimerais bien. Voilà. Allez, faites des trucs. Mais ouais, bah, ils en ont ADC. Hein. L'ADC, bah, il tabasse. C'est compliqué. Hein. Que... Ok, en fait. Bon, c'est une game vraiment bizarre. Hein. Alors là, franchement, je sais pas quoi dire. J'essaye de mettre bien les gens, mais alors lui. C'est une grosse merde hein, pour être gentil. La Luke joue bien, mais bon, bah maintenant elle se fait défonce. Le Vlad, non, mais franchement, Vlad, juste voilà. Puis Yumi, quoi, bah Yumi qui reste un peu statique, c'est pas terrible. Je pense que je vais mettre la ward là. Et là, bah, ils partent. Décollage. Hop. Genre là, là, il y a du farm top.
Bon, l'avantage c'est que du coup le Yasuo ne farme plus depuis tout à l'heure. On y va pas. Ah bah ça y est, ça fait des actions de merde et ça veut sur NC qui... C'est la Luke en plus. Oh là 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 là, elle se fait défoncer la Luke. Quand même la comment s'appelle ? La tornade. La Vlad La game elle est vraiment chelou là hein. Bon, j'ai bientôt mon étreinte démoniaque au moins. Voilà. On regarde, qu'est-ce qui me défonce? Ouais, Yasuo forcément. Je pense qu'on va partir sur un petit Runa, non? Juste pour savoir, c'est quoi leur relo? Parce que à mon avis, ouais. Iron 1, le Urgot, ok, lui ça m'étonne pas. Vlad, Argent 2. Ouais. Lux, Argent 4. Ouais. Le Silver 4, la Yumi. Allez, mais tapez les gens. Lux, tu fais des trucs ou pas? Lux, tu fais des trucs ou pas? Ouais. Si j'aurais pu récupérer toute ma vie. Allez, on y va là, j'ai mon R. J'ai mon R. Ils sont 3, hein. Là, c'est triste, hein, mais bon, là, c'est compliqué de la remonter, quoi. Interruption. En plus, ils ont pris deux dragons infernales. Ouch. Contre un dragon des océans et d'ultime. Ouais. J'avais bien un ADC, je meurs avec Yumi. Bah non, c'est pas le but. Allez. Hello. Je tente le smite. Je tente le mobilise. Voilà. Il y avait noir, non? T'es obligé d'aller trapper un mec, quoi. Allez les copains. Allez hop, on immobilise peu. Your God fait des trucs. Voilà, c'est ça qu'on veut. Alors c'est compliqué hein, quand on est tank et que la team ne suit pas. Ok, Vlad il push bot, c'est cool. Il a pris une tour. Bon, on a fait ça pour une tour. C'est déjà ça. Maille du gardien. Pourquoi maille du gardien avant la gemme? Bah tout simplement parce que quand on se fait taper, on a envie de voir de la résistance. Si on a besoin de résistance magique, un petit visage pis c'est plutôt cool aussi. Après, même la force de nature est cool hein, qui augmente la vitesse de déplacement. Allez.
Allez hop 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 hop. On va farmer, le Yasuo il est 15, le Togekiss il est 14. Essaye de remonter en farm. Eh ouais, t'as plus rien pour dash mon petit Yasuo maintenant. Voilà. Oh la Lulu, oh cette Lulu, elle se prend tout cette Lulu, c'est génial. La bombe transformée, eh oui. Allez, 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 la bombe roll. Allez, allez les gars, voilà. Allez, on fait Nashor. Mais non, on fait Nashor. Oh putain. Allez, on va Nashor. Allez, on va Nashor. Allez, on va Nashor. Allez, c'est parti. On pleure, on est à AFK à taper. Moi oh, j'ai les mains gelées. J'ai pas mon smite, hein, je peux le dire. Ah. Très bien. Très bien, très bien les copains. Si on joue ensemble, ça passe. Tiens, on va aller voir ça. Donc là, vous voyez, une minute. Là, je back, mais en gros... Tiens, il y a du farm là-haut. Qu'est-ce qui va pas l'intérêt? Qui va? Ouh. Nom d'un brome, il fait froid. Lucian est en 6-2 quand même, hein. Donc en fait c'est quand même les AD hein, les plus chiants. Ils ont de la paix mais ça reste les AD les plus chiants. Tu fais quoi toi? Non, la dash. Ok. Ok, ok. Ok, il est pas là. 7 secondes. Bon, on va attendre. Dommage, on n'a pas de ward. Si, là, c'est que si je mets... Bon, attendez, on va le faire là, on va le faire là. Ah. Ah, j'ai pas le temps de smite. Je m'attendais pas à ce qu'il me mette un gros burst. Ah, la flash, elle est au-dessus. Ah, je l'ai pas eu. Ah, ok. Allez, on a Nashor, les gars. Il faut push, il faut push, il faut push. Bon, il s'est sacrifié, il a pris le drag. Ouais. J'avais un meilleur smite que lui, mais je m'attendais pas à ce qu'il me mette gros dégâts. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils s'amusent, mais. Pardon. Qui rate encore. Donc là je suis là, hop, peut faire mes petits corbins. Level 16, si on peut l'avoir assez vite, level 16. Plutôt cool. Qu'est-ce qu'ils font là? Non, non, fightez pas, fightez pas, fightez pas, fightez pas, fightez pas, j'arrive, je prends le rouge. Ok, ils ont buté le Yasuo. Il a pas de TP. Je pleure pour rien, moi. C'est roleplay, remarque, hein. Je te slow par la barre, Michel. Premier de nous deux qui se sera pas slow. Ok, il assiste. Bon, c'est sympa, hein. Vous êtes sérieux là? Oh, vous avez de la chance, j'ai pas mon R encore. Mais t'avances pas, toi! Voilà, Lux qui se au quart de tour, ça c'est bon ça. On a plus Nashor, on a plus Nashor, ça sert à rien de rester. On a plus Nashor, on régène avec le Drake de vent quand même, ça c'est cool. Hop 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 hop. Bon, normalement c'est pas à moi de faire ça. Brave. On va push un petit peu. Ah, quelqu'un qui arrive, ok. Après
prendre les golems, parce que les golems en jungle me font gêne. Du coup ça pêche un peu, pas des masses hein. Et un petit peu ça suffit. Voilà. Et on s'en va. Je suis 16, donc l'ulti level 3. Et là. Bon, en vrai, l'ulti level 3, en vrai, augmente les dégâts quoi. Où va-t-on ? Franchement, quand on joue à Mému, on joue pas pour faire des dégâts. Allez, je veux voir mon push. Bon, il est level 16. Bon, je sais pas si je le tue en vrai. Moi, clairement, je cherche même pas à fight. C'est pas mon but. C'est pas mon but. Ok, on est plus là. Oh, Urgot qui est invincible. Damn! Eh bah, écoutant. Le gros, triste. Bon, le seul truc à savoir en fait, à Mumu surtout, c'est où sont les camps de jungle. Voilà, tout. Là, il n'y a pas d'objectif, il y a une minute de Nashor quand même. On peut faire un Nashor plus. Plus Baron. Enfin, plus Drake en fait. Alors là, c'est un activable. Bon, moi, je le mets là parce que j'active toujours. Oh, vous avez vu, je viens de découvrir un truc. On peut vendre comme ça directement. Résist magie. Visage Pi. HP ou force de la nature. Efficace des soins et des boucliers que vous recevez. Et bah ouais en fait. Bah ouais, on a une Yumi et on a une Lux. D'ailleurs en face on a. C'est l'heure du chat. Qu'est-ce qui ping? Ok bah les gars, go Nashor hein. Bah pourquoi ils viennent pas? Venez jouer avec moi. Votre tourelle a été détruite. Je préfère prendre le Drake. Yes, il y a Yumi qui m'accélère, ça c'est toujours cool. Ils sont split. Ah, je focus de Yasuo qui peut nous faire chier. Bap bap bap. Ah. Et moi le plus fort. Mais j'adore sa T-Bot. Voilà, et je reviens. Hop là. Petit job parfait. Pleure et pleure la mumu, la 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 la. On fait ça? Allez venez on fait Nashor pour la beauté du geste. Non ils veulent pas. Ils veulent finir. Bon, ils veulent finir. Yogo de qui TP, après bon bah oui il reste que Lucian, hein. Lucian il va pas faire grand chose. Ouh. Ah ok la flash. La flash a marché. Allez, bah voilà, on a fini avant. C'était une belle game à Mumu. Même si on devait jouer à Ri. Yeah. Victoire, victoire, victoire. Voilà. Oh. Voilà, donc là, on peut honorer quelqu'un, moi je dis. Bah la Lux, clairement. Après là, la Yumi, bon, elle a fait des trucs et tout, c'était cool. Mais la Lux, c'était quand même clairement la meilleure joueuse. Autre que moi, bien évidemment. Donc là, ça m'a donné un B+. D'ailleurs, pas terrible. Hein. Pourtant, 21 assists. Hein, ou presque autant. Mais bon, je pense qu'il y a eu des morts un peu inutiles. 12 000 gold. J'ai autant de gold que notre ADC. Enfin, ADC. Hein. La Lux qui s'est mis bien dans la team. Elle a même pas eu S, je pense, d'ailleurs. Parce que sinon, ça serait marqué, en fait. Le Yasuo qui était en 7-1, on l'a fait passer en 7-7, hein. Il faisait plus rien au bout d'un moment. Il n'y a que le Lucian qui faisait plus rien. La Lulu, c'était un bonheur de la gank. Eh, bougez pas, elle restait tout droit. C'était rigolo. Pavois de la montagne, c'est quoi ça? Ah oui, le truc des wards. Allez, on regarde les dégâts quand même. Top 2 dégâts. Bah ouais. Bah ouais, clairement. Hein. Franchement, je suis entre. je suis un peu. Je suis quand même le quatrième de toute la game. J'avais un item AP.
C'est fort, hein. C'est fort, fort, fort. Alors après, en autres items qui sont cool, si vous êtes vraiment très très bien dans votre game, en AP, le Riley, qui permet de ralentir. Le VZ, il ralentit tout le temps, c'est génial. J'aurais pu faire aussi le masque abyssal. Alors, pour ceux qui ne savent pas, on va aller ici, rapidement. Objet. Vous pouvez préparer des sets aussi. Par exemple, vous vous dites, alors, là, je veux jouer à Mumu, on va faire tel ou tel item. Alors, là, voilà, allez, allez, hop là. Pour Amumu, quand je suis... Qu'est-ce que c'est que ça? Non. J'ai pas l'aide. À l'aide. Bon, c'est pas grave. Alors, Amumu. Donc, on veut... armure. Bon, déjà, clairement... non, si. Égide solaire. Meilleur item du jeu. Même si le Chimico Scaphandre peut être rigolo, qui fait un peu la cape solaire aussi, qui vous booste en vitesse de déplacement, vous n'avez pas besoin, il y a la bandelette. Dans les autres items mythiques, franchement, non, il n'y en a pas d'autres. Donc ça, s'il y a vraiment beaucoup d'AD, bon, les bots bien évidemment, ou Mercure, selon la team. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre en autre armure? Vous avez vu, il n'y a pas tant que ça. Le cœur gelé peut être pas mal. On va le mettre là, au cas où. Résistance magique. Alors là, on a quoi? Le masque abyssal, qui est genre super fort. Le visage pisse, si vous avez une team à heal aussi, c'est cool. Bah c'est tout en vrai. Hein. Même le lithoplastron. Vous gagnez un bouclier, vous êtes déjà tellement tank. En fait, il vous faut de la résistance et de l'armure, quoi, c'est tout. Après, si on prend de la puissance, donc bah, vraiment juste celui-ci, hein, l'étreinte démoniaque. Donc en gros, c'est comme ça le build. Les bottes que vous voulez. Clairement, les bottes, que ce soit armure ou déplacement. D'ailleurs, pour représenter les bottes, je vais mettre ça. Mais en gros, il faut se dire... D'ailleurs, les avoir en deuxième, c'est bien pour un jungler. Ça permet toujours bien se déplacer, bien gank. Étreinte démoniaque. Présage de rendu 1. C'est bien parce qu'il réduit les coups critiques. Et je vous rappelle que les ADC maintenant, donc aussi certains assassins, ont beaucoup de coups critiques. Donc c'est plutôt cool. Ok, retour du chaton. Le chat requin. Le visage pi. L'efficacité des soins et bouclier. Alors, il est bien, mais il est... En vrai, moi, je pense qu'il n'est pas optionnel. Là, voilà. Si vous voulez de la résiste magie, on va mettre ça là. Et l'armure, on va mettre là. S'il vous faut full armure. Après, le lithoplastron, il n'est pas déconnant. Hein. Il donne un peu de tout. Donc, en vrai, même, pour ça pourrait être un item genre à faire. Ces 5 là, plus celui-ci s'il faut encore de l'armure, un cœur gelé, moi j'adore le cœur gelé. Après, il y a le côté pineuse aussi, hein, s'il y a beaucoup de régène en face. La convergence de Zeke, vous désignez un complice, pendant 4 secondes après que vous ayez immobilisé un ennemi, ça marche avec le A et le R, les attaques à l'impact et les compétences de votre complice font plus de dégâts. Bon, généralement c'est plus un truc de support. Mais en vrai, si vous jouez à 2 ou qu'il y a un moment où vous vous dites, ok on est tout le temps en teamfight, ah je vais booster quelqu'un, c'est à faire. Ça donne aussi de l'armure, un peu de mana essentiellement. Donc c'est vrai que le cœur gelé permet d'être dans le tas. Mais bon, comme on immobilise, on s'en fout de réduire la vitesse d'attaque. Si on veut survivre un petit peu plus. Donc finalement, lithoplastron. Donc vous voyez, hein, il y a pas même plein d'items pas si compliqués que ça. Hein. Force de la nature, c'est bien de se déplacer rapidement, mais pas besoin. À même mieux, c'est bandelette, vous êtes là, vous immobilisez tout le monde. Pas besoin d'être rapide. Les gens, ils vont déjà être là. C'est pour ça, le Riley, c'est cool. Mais on les ralentit, mais en fait on va déjà les immobiliser. Donc c'était mieux comme ça, quoi. Donc voilà, les potes. Eh, c'était une belle game Harry, hein. Du coup, on va stopper ça. Ça va partir pour Amumu. Et puis on va tenter de faire une Harry tout de suite. Allez, à tout de suite.